Voici un booster de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! De l'édition Le Coupe-Circuit. C'est une édition qui est sortie le 19 octobre 2017 et qui comprend 103 cartes, 99 cartes de l'édition plus 4 cartes spéciales. Cette édition fait partie de la famille des boosters et donc chaque booster comprend 9 cartes. On a donc sous les yeux un booster en français que l'on va ouvrir afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans les éditions de booster, il y a souvent des cartes communes. Donc sur les 9 cartes, on va avoir 8 cartes communes et une carte rare, ou avec un peu de chance, ultra rare, secrète rare, enfin bref. Ça c'est... Voilà, c'est... Il faut avoir un peu de chance. Donc, hop. Alors les cartes bleues sont pas très visibles, les logos sont pas très visibles, hein. C'est bien, c'est IBR. Le code de la famille, Sina Fusis X-Crawler. Précision, c'est bien un booster en français. Hein. Donc ça, c'est une commune. Redémarrage du lien. La 6. Coup de chauve-souris Gookie. On a encore une commune, la 54. Non, c'est une rare. Oh, qu'elle est belle. Générateur Dragonoïde. On voit le titre qui brille. Et ouf. Alors, on a une rare et en plus, on a une... C'est une ultra rare ça. La 23, Ragnarok Méta Physique. Donc on a deux cartes super intéressantes dans le booster. Continue. Espionne Amazones. Arrêt au stand Fa. Dragon Renifleur. Et la dernière commune, Ange des Ténèbres. Donc, on a eu quand même une carte rare et une carte ultra rare. La 54 et la 23. Donc, c'est un booster intéressant. J'ai ultra rare, mais je me suis trompé. C'est une super rare. Parce que le titre, en fait, il brille pas.